What's up la team, c'est Darkemon, j'espère que vous allez tous super bien mes amis, et aujourd'hui nouvelle vidéo. Et nous allons parler de Pokémon JCC Pocket, la future application dont tout le monde parle et attend. Juste avant de commencer, je vais aborder quelques points importants. Déjà, attention aux spoils dans cette vidéo car il y en aura, il va y avoir du gameplay du jeu, également la sortie officielle et le 30 octobre dans le reste du monde. Pour l'instant, en fait, le jeu est déjà sorti en Nouvelle-Zélande, d'où le fait que j'ai pu le tester en avance via une APK. Un ou une APK d'ailleurs, j'en sais rien. Bref, cette vidéo sera en trois parties, et sur la première partie, on va présenter le jeu. Dans la seconde, il va y avoir un peu de gameplay commenté rapidement, et on va terminer par un tuto, petit tuto, comment j'ai fait pour l'installer, hein, voilà, via APK. Bien sûr, avant de commencer, je t'invite à laisser un petit like. On est en projet Dika pour la sortie de EV8, sans booster, un giveaway. Ah, j'ai besoin de vous là. Bref, on est parti. Le jeu a pour but de faire ouvrir un maximum de boosters aux joueurs, mais de façon rationnée, c'est-à-dire que vous ne pourrez ouvrir qu'un nombre de boosters limité par jour, sauf en payant, évidemment. Il faut savoir qu'il y a un système d'abonnement premium. C'est un booster tous les 12 heures, mais il y a aussi un système de sablier booster pour gagner des heures. Il y a pour le moment qu'un seul bloc, puissance génétique, si on peut appeler ça un bloc, composé de 3 collègues différentes, Drac, Mewtwo et Pika. Et donc les cartes varient en fonction. Vous pouvez vous balader dans vos collections, admirer vos cartes, mais aussi rentrer à l'intérieur de certaines cartes, ce qui est assez sympa, on va pas se mentir. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi des missions et une mécanique vous permettant de choisir l'une des cartes du booster d'un joueur, de façon aléatoire. Le joueur ne perdra pas cette carte, cette mécanique s'appelle Pioche Miracle. Et bon, là, il faut chatter. Le jeu implémentera bientôt la fonction d'échange aussi. Voilà, c'est plutôt cool. Et c'est un peu le but avec les cartes Pokémon. Ah oui, comme je l'ai dit, chaque collection contient ses cartes, hein, Dracaufeu, Pika ou Mewtwo, mais aussi un taux de drop plus ou moins élevé en fonction de ce que vous voulez, en fonction de la rareté de la carte. Hein. C'est comme en vrai. Bref, j'ai pas encore pu tester beaucoup, mais je trouve que c'est assez cool, ça change beaucoup de l'ancien JCC Online. C'est vrai que c'est assez addictif, assez prenant. Ça oblige à y revenir plusieurs fois, au moins deux fois par jour pour ouvrir ses boosters. Et ça n'oblige pas à y rester longtemps. C'est ça qui est pas mal, on n'est pas obligé de farmer comme des malades. On n'est pas obligé de mettre de la thune, mais évidemment, si on met de la thune, on va avoir un certain avantage. Ça, c'est indéniable. Mais le principe reste cool. Et puis, ils ont vraiment poussé ça à fond avec nos collections. On peut vraiment aller voir nos cartes en détail. Et puis, comme je l'ai dit, dans certaines, elle est carrément à l'intérieur du décor. C'est super cool, c'est assez fun, ça passe le temps, quoi. De ce que j'ai pu tester pour le moment, vraiment sympa, bonne appli. Ok, partie 2, on va donc commenter un peu de gameplay. On s'ouvre un booster, enfin, celui-là je crois que ça va pas être fou. Ouais. Un joli Aquali à holo, hein, carrément, voilà. Un Draco, un Aspico, ouais, ok, Liputu, Smogo, bon, ok. Donc on s'ouvre un booster. Voilà. Ensuite là, voilà, Pioche Miracle. Et vous allez voir que... Je vous dis rien, mais vous allez voir que... Pioche Miracle, et c'est ma toute première. Alors est-ce que c'est... Je me suis demandé, voilà. Voilà, ouais, il est magnifique. Hein. Je me suis demandé si c'était codé ou non. Je sais pas. Nouveau booster. On va voir. Non, mais pas grand-chose. Hein. Donc ouais, juste pour revenir sur la Pioche Miracle, je me demandais si c'était codé. En fait, par rapport à la première pioche, peut-être qu'à la première pioche, on a toujours un truc de fou. Nouveau booster encore. Ouais, là par contre vous avez vu, hein, j'ai fait un switch, voilà, on a vu qu'on avait un truc, j'ai accéléré, hein, pour que ça aille un peu plus vite aussi les rushs. Donc on a un beau booster en Articodin, hein, qui est super beau, j'admire un peu ce que j'ai eu, l'Articodin, hein, qui est super super sympa. Pouvoir se balader comme ça sur les cartes, c'est un truc de fou. Et le Bulby, ouais, ah, le Bulby, non il est trop trop beau, c'est une singerie. Ouais, là on s'ouvre un dernier booster et... Vous allez voir que c'est une masterclass, donc booster à l'envers, hein, j'en ai eu plusieurs. J'ai pas toujours eu des dingueries. Et en fait, on ouvre différemment dans ces boosters, en fait. Hein, et voilà. Ouais. Banger complet. Ectoplasma X, SAR, qui est tout simplement en Terra Crystal, comme ça, en stellaire. Ouais, c'est sublime carte. Vous avez vu, j'ai bugué longtemps dessus. Dites-vous, c'est accéléré. J'ai bugué, j'étais en train de péter un câble. C'est un truc de fou. Et voilà, le reste du booster. Quelle folie, on s'est mis trop trop bien. Ok, maintenant qu'on a vu un peu de gameplay, on va passer
à la troisième partie, installer l'app en avance. Donc là, je vais vous prévenir directement, je vais parler d'APK, donc d'Android. Je ne sais pas faire sur iOS, je sais qu'on peut via des VPN, c'est un peu plus relou. Là, je vous le dis, ça dure 5 minutes même pas, c'est super simple et c'est vraiment pas prise de tête, hein, clairement. Donc étape 1, sur le Play Store, vous installez l'application qui s'appelle APK Mirror Installer. Étape 2, vous tapez APK Pokémon Pocket sur Google et vous descendez jusqu'à trouver le site APK Mirror pour télécharger donc Pokémon Pocket. Et donc dernière étape, vous installez Pocket via le site de APK Mirror et vous retournez sur donc, la première appli, hein, celle que je vous ai fait télécharger du Play Store. Vous cliquez sur Browse Files, ok, et vous cherchez l'APK de Pokémon Pocket que vous venez de télécharger. Et ensuite, vous cliquez sur Install Package et vous suivez les instructions. Et si vous avez tout bien fait, votre jeu est prêt à être lancé. Et bien voilà, j'espère ne pas avoir trop parlé comme je le fais souvent, cette vidéo arrive un peu tard, mais j'étais malheureusement sur d'autres projets. Vous savez quoi faire, je compte sur vous pour soutenir la chaîne à fond, on like, on s'abonne surtout en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines sorties vidéo, on partage et on commente. Petite question pour vous, est-ce que vous avez déjà pu tester? Ou alors non, est-ce que vous attendez, comme beaucoup, hein, le 30 officiellement, pour vous lancer, voilà, en même temps que tout le monde un petit peu? Voilà, pas de triche ici, dites-moi en commentaire en tout cas. Je vais attendre mes frères, je pense, j'ai surtout téléchargé l'APK pour voir si on pouvait déjà, sans trop de difficultés pour cette vidéo, hein, voilà, et surtout pour avoir mes propres plans, si vous voulez, pour la vidéo, et être tranquille. Maintenant, à vous de voir si vous souhaitez attendre le 30 octobre ou pas. Je vous ai donné toutes les clés. N'oubliez pas le projet d'IK, c'était Darké. Tchuss.